Donc bonsoir, donc, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans. Merci à vous d'être venu ce soir. Donc pour commencer, je voulais m'excuser un petit peu, je voulais excuser ma tenue en fait. Parce qu'on m'a dit, tu vas aller sur scène, ça se fait pas de s'habiller en noir pour un spectacle. Je me suis dit, c'est pas un spectacle, une conférence gesticulée, donc du coup je peux me permettre de m'habiller comme j'ai envie, comme je me sens bien. Et donc, je suis tout le temps habillée en noir. C'est comme ça, puis j'ai des trous dans mes fringues tout le temps. Donc voilà, comme en fait, il faut être soi-même, je suis moi-même. Ensuite, je voulais m'excuser parce qu'il n'y aura pas de PowerPoint non plus. Donc pour ceux qui ont l'habitude de voir des conférences classiques, où il y a des PowerPoint, des petites bouteilles d'eau, tout ça, bon, voilà, il n'y a pas de bouteille d'eau, il n'y aura pas de PowerPoint non plus, pas de concept compliqué que je maîtriserai vu que je suis spécialiste de rien, en fait. L'idée, c'est vraiment ce soir de partager avec vous un petit bout de ma vie et puis mon analyse en tant que simple citoyenne. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer ce soir. Alors, dans les conférences gesticulées, on se met plus ou moins à poil. Donc moi, c'est un peu plus. Ceci est une image. Donc après, ce que je peux partager avec quelqu'un qui va faire un spectacle ou quelqu'un qui fait une conférence, c'est espérer qu'il y ait un petit peu de monde dans la salle. Et le trac aussi. Et puis s'il n'y a personne dans la salle, c'est un petit peu les boules quand même. Quoi. On prépare, machin, tout ça. Donc, bon. Alors moi, je pars avec un avantage, enfin deux, j'ai plein de copains. Et j'ai une grande famille. Alors si je ramène déjà la moitié de mes cousines, ou même l'intégralité, ça remplit pas mal la salle. Quoi. Donc du côté de mon père, on est déjà 10 cousines, 10 gonzesses. Alors quand on fait des repas de famille, tout ça, on se retrouve tout ensemble, c'est la fête. Quoi. On est vraiment très souvent, et du coup on est super contents de se retrouver tout ensemble, toutes les 10, avec maintenant nos gamins, parce qu'on a presque toutes des enfants. Avec les conjoints, donc c'est toujours un joyeux bordel, c'est vachement sympa. Et donc l'autre jour, je me faisais la réflexion en fait, en regardant justement nos enfants, qu'on faisait de moins en moins d'enfants. En fait, mes grands-parents, nos grands-parents, mes cousines et moi, ils ont eu 5 enfants. Nos parents, en moyenne, en ont eu 3, 2. Et nous, mes cousines, on en a 2. 1, voire 0 pour certaines. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on fait de moins en moins d'enfants comme ça? Alors nos modes de vie ont changé. Voilà, la femme, elle s'épanouit plus simplement par la maternité, elle travaille plus. Puis il y a les moyens de contraception qui ont évolué aussi très très vite. Maintenant, on fait un enfant, en règle générale, quand on l'a choisi, quand on l'a décidé. Ce n'était pas toujours le cas avant. Donc ça me rappelle une discussion que j'avais avec ma grand-mère. Je devais avoir 15-16 ans, donc c'était une discussion assez surprenante. On était toutes les deux dans son salon, et puis elle me dit, tu sais, moi, la première fois que j'ai eu un enfant, c'est parce que je ne savais pas. Alors je lui dis, mais tu savais pas quoi? Elle me dit, je ne savais pas comment on faisait les enfants. Je lui demande quel âge elle avait. Elle avait 18 ans. À 18 ans, ma grand-mère, elle ne savait pas comment on faisait les enfants. Alors, on était en 1947, donc c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça reste quand même surprenant. 18 ans, quand même. Alors, j'ai compris plus tard, en fait, qu'il y avait une loi qui était passée par là, qui datait de 1920, qui entravait en fait toute information sur la sexualité, le fonctionnement du corps. Donc du coup, ma grand-mère, c'était pas la seule à pas savoir comment on faisait les enfants à cette époque-là. Cette fameuse loi, qui date du 30 juillet 1920, qui s'appelle la répression de la propagande contre la natalité, elle empêchait toute une partie de la population d'être informée. Alors, pour peu qu'on naisse dans une famille pas très moderne, on ne savait pas. Donc, ma grand-mère, elle n'était pas plus bête que l'autre. Il y avait plein de jeunes filles qui ne savaient pas. Elle s'appelait Hélène, ma grand-mère. Et donc, Hélène, elle est tombée amoureuse.
jeune fille, quoi. Alors ses copines lui avaient bien donné 2-3 trucs. Je crois qu'elle tombe enceinte. Il lui avait dit, faut surtout pas embrasser un garçon sur la couche. Alors quand elle est tombée amoureuse de Jacques, elle a fait le mur un soir pour le rejoindre. Elle a soigneusement suivi les conseils de ses copines. Elle a pas embrassé sur la couche. Par contre, quelques mois plus tard, son ventre a commencé à s'arrondir. Elle n'avait plus ses règles. Elle ne savait pas non plus ce que ça pouvait engendrer. C'est les voisins, en fait, qui ont remarqué que son ventre s'arrondissait. Ils sont sympas, ils ont été le signaler à sa mère. Et donc, elle était bel et bien enceinte. Alors, vous imaginez ce que ça représente de tomber enceinte hors mariage en 1947. C'est terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que l'avortement est pratiqué, mais c'est de manière illégale. On appelle ça les faiseuses d'anges à l'époque. Donc, c'était juste... Pendant la guerre, en fait, il y a Vichy qui est passé par là. Et qui a renforcé les lois anti-avortement. Donc, désormais, les fameuses faiseuses d'anges peuvent être condamnées à mort. Et ensuite, il y a le Code des familles en 39 qu'on a rajouté une louche et donc a considéré que la tentative d'avortement était un crime. Donc voilà, les choix sont assez limités et puis elle a peur, Hélène, alors ça devient un problème de famille. Donc du coup, la famille s'interroge, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des possibilités, on se dit on connaît quelqu'un dans le Nord qui connaît quelqu'un, on peut toujours l'envoyer là-bas pour faire passer le bébé, comme on disait à l'époque. Sauf que les voisins ils l'avaient remarqué. Alors qu'est-ce qui pouvait se passer? Ils pouvaient le signaler. Donc elle serait convoquée à la gendarmerie avec son amant Jacques. Ils seraient interrogés tous les deux sur la nature de leur relation. Il y aurait une enquête et puis elle pouvait être condamnée. Donc ils ont peur. Puis en plus il faut de l'argent pour faire passer le bébé. Alors elle vient d'une famille pauvre. Elle travaille à l'usine de nacre et Jacques à la fonderie. Donc finalement, les deux familles vont se rencontrer et puis on va les marier. Vite, vous vous doutez, un petit peu urgent. Et donc c'est comme ça qu'a commencé la belle histoire d'amour de mes grands-parents. En fait, c'est un peu grâce à cause de ces lois que finalement je suis là. Donc l'État... considéré à l'époque qui devait intervenir sur les natalités en France. Surtout après les deux guerres qui se sont succédées. On considérait que la dépopulation était un vrai fléau. Donc il fallait... on avait peur de l'extinction de la race française. Donc les femmes étaient priées de mettre leur conduite privée en conformité avec l'intérêt de la nation. Voilà, il fallait absolument enfanter. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on commence à s'intéresser au problème de stérilité. On se dit, tout est bon à prendre, hein. Donc s'il y a des couples qui ont des problèmes de stérilité, ça peut peut-être aider à repeupler la France. Alors il y a des études qui sont faites, et puis on se rend compte que ça concerne 10 à 15% des couples. Donc c'est pas considéré comme une cause sérieuse, parce qu'en fait on est dans une logique de rentabilité démographique. Donc c'est pas rentable de s'intéresser aux couples stériles. Alors il y a des médecins, des gynécologues qui vont vraiment essayer de changer l'opinion publique et puis d'agir aussi sur les pouvoirs publics et qui militent. Alors les arguments sont contestables. Donc, c'est continuer à la population, la race française, et puis améliorer aussi la qualité de la population. Ben oui, parce que si on permet à des couples stériles qui ont un vrai désir d'enfant d'avoir un bébé, ben il va être élevé dans de meilleures conditions. Donc du coup, il sera un meilleur citoyen. Alors finalement, c'est ces arguments-là qui réussissent à convaincre les pouvoirs publics. Et donc finalement, on va commencer dans les années 50, la fin des années 50-60, à vraiment avoir des consultations dans chaque département pour accompagner des couples stériles. C'est comme ça que ça commence un petit peu la recherche par rapport à la stérilité. Donc là, de quoi je suis en train de vous parler, en fait,
Je vous parle un petit peu de médecine, de natalité, un peu de politique. En fait, c'est de la biopolitique dont je suis en train de parler. Donc la biopolitique, c'est un concept qui a émergé dans les années 70 par Foucault, donc, qui était philosophe et psychanalyste, qui s'est intéressé aux mécanismes du pouvoir et qui s'est rendu compte que petit à petit, le pouvoir politique n'allait plus s'intéresser uniquement à la société dans son ensemble, mais allait vraiment se centrer de plus en plus sur l'individu en tant qu'être biologique. Et s'intéresser de plus en plus à ses comportements privés. Si bien que finalement, c'est la biopolitique qui va définir les normes en vigueur. La biopolitique va nous dire, à nous, la société, ce qui est bien, ce qui est normal, et ce qui est mal et anormal. Donc, on ne s'en rend pas compte, en fait, de ça. C'est quelque chose qui est assez diffus. Donc du coup ça devient compliqué de lutter contre, parce que finalement la biopolitique c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la société. Quand un pouvoir nous veut du mal, c'est facile de se rebeller, de dire qu'on n'est pas d'accord, mais quand on nous veut du bien, c'est pas évident déjà à identifier, et ça reste diffus. Alors en plus, les gens vont se l'approprier, il y a une partie de la population, certaines classes sociales, qui vont s'approprier ces concepts-là, qui vont dire, nous, on va protéger la société. Voilà, donc c'est difficile d'aller contre. Après, il y a le corps médical qui a une importance dans toute cette histoire-là, parce qu'en fait, le médecin, on l'écoute. Le médecin, il est important. Le médecin, c'est celui qui a le droit de toucher le corps. Et dans n'importe quelle couche de la société, il est accepté, il est entendu. Donc souvent, le corps médical, il a joué un rôle important dans l'évolution de la société et parfois pour freiner aussi des avancées. Ça dépend un petit peu du contexte. Donc à la fin des années 60, les médecins sont convaincus que la contraception est une chose qui devient importante, essentielle. Donc dans les années 60, il y a la loi Neuwirth qui va autoriser la pilule. Alors c'est quand même une date importante. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont autorisé la pilule. C'est pas pour l'émancipation de la femme ou pour que les couples puissent décider à quel moment on fait des enfants. C'est parce qu'on s'est dit, on va lutter contre l'avortement. C'est-à-dire que si on permet la pilule, il y aura moins d'avortements. Et on va aussi lutter contre la stérilité. Parce que les avortements, ils existent, toujours, et ils sont pratiqués en toute illégalité, parfois dans des conditions d'hygiène déplorables, et ça entraîne effectivement des stérilités. C'est pour ça qu'on autorise la pilule en 68. Alors en 68, ma mère a 16 ans. Et donc, si elle veut prendre la pilule à 16 ans, avec cette loi, elle doit d'abord demander l'autorisation à ses parents. Ils vont aller chez le médecin, avoir une ordonnance, ils iront ensuite à la pharmacie. Et là, le pharmacien devra inscrire son nom, son prénom, son adresse sur un carnet à souche. Le même carnet à souche qui servait à enregistrer les gens qui prenaient des médicaments dits dangereux, donc liés aux dépendances ou aux problèmes psychiatriques. Pour couronner le tout, ce n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, il se trouve qu'en 68, ma mère, elle est à 10 000 lieues de tout ça. En fait, elle ne pense même pas à prendre la pilule, ni à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc, elle vient d'une famille très traditionnelle. Ils sont d'origine espagnole, très catholique, pratiquant. Donc, voilà, les rapports sexuels, c'est au moment du mariage. Et ça fait des générations que c'est comme ça. Donc, la pilule, c'est pas d'actualité dans sa famille. Alors, en 68, elle rencontre Francis. En fait, mes grands-parents, ils tenaient un bar. Et donc, ma mère, quand elle rentrait de l'école, elle allait les aider. Donc, soit elle vendait les cigarettes, soit elle servait en salle. Et puis surtout, elle jouait au flipper. Parce qu'il y avait un flipper au fond du bar. Et du coup, comme elle jouait tous les jours, elle était super malade.
Et ça séduit énormément les gens. Notamment Francis. Puis elle était super belle, alors il est tombé fou amoureux d'elle, parce qu'elle jouait bien au flipper. Elle était belle. Et donc il lui a fait la cour, alors il y a mis les formes, hein, parce qu'il y avait les parents dans le bar. Donc, il fallait séduire les parents, séduire la fille, gagner leur confiance. Et puis une fois la confiance gagnée, ben, il avait le droit de l'emmener faire une balade dans le quartier, avec la sœur. Qui les suivait de, toujours de très près, la grande sœur. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Alors quelques mois après leur rencontre, c'est mai 68. Alors mai 68, c'est une date symbolique, mais l'évolution, le changement de mentalité était déjà engagé, mais en tout cas c'est une date importante. Alors eux, à l'époque, ils ont 16 et 17 ans. Ils y participent à mai 68, Jacqueline et Francis. Elle s'appelle Jacqueline. Ils vont aller à Paris, ils vont défiler. Elle monte sur ses épaules, elle brandit les pancartes. Il est interdit d'interdire, tout ça. Enfin, ils sont à fond dedans. Hein. Et puis, alors, quand ils se font charger, ils s'enfuient, main dans la main, comme des amants terribles et tout. Enfin, voilà, ils l'ont fait, mes parents, mai 68. Sauf que bah, quand ça se termine, mai 68, bah, ils reprennent leur petite routine, le train-train habituel, et puis ils vont se fiancer, et puis ils vont se marier, et enfin ils vont consommer leur union. Donc mai 68, ça n'a pas changé leur sexualité, et qu'ils n'avaient pas d'ailleurs. Donc ils ont continué la tradition. C'est comme ça. Néanmoins, mai 68, voilà, c'est une date importante parce qu'à ce moment-là, il y a des choses qui changent quand même dans les mentalités. C'est-à-dire qu'on va accepter, on va, pour certains, tolérer, pour d'autres, accepter qu'on a une sexualité en dehors du mariage, que c'est possible. Et puis surtout, on va aussi accepter la masturbation, ça fait partie de la sexualité. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont vraiment, vraiment évoluer, vraiment changer à partir de cette date-là. Donc pourquoi Jacqueline et Francis n'ont pas fait l'amour avant le mariage? Bah, c'était comme ça, c'était institué, ça fait des siècles et des siècles que en fait le mariage fonde la famille, que notre société est bâtie aussi sur ces valeurs-là, des valeurs catholiques. Alors, en fait nos lois datent. Le fondement de nos lois du code civil. Le code civil de 1804, je crois. Et il est vraiment fondé sur des valeurs traditionnelles, des valeurs catholiques. Donc, pour mes parents, il y a beau avoir une mai 68, il y a quand même toutes les valeurs chrétiennes, catholiques qui ont eu raison en fait de cette révolution-là. Donc voilà. Ah oui. Dans les années 70, ça commence vraiment, les choses commencent vraiment à changer, à bouger. Alors il y a une année qui est assez importante, c'est 74. Il se passe des choses parce qu'il y a la loi Veil, bien sûr, donc qui va permettre à la femme de disposer de son corps et qui va légaliser l'avortement, la possibilité de choisir à quel moment on fait un enfant. Et puis, donc je mets là. Et puis il y a aussi un autre événement, la même année, c'est la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme que la France va signer, et qui va changer aussi pas mal de choses, parce que l'institution de la famille, qui est très importante dans le Code civil, là, avec la ratification de la Convention européenne, on va aussi reconnaître les libertés individuelles. Et du coup, la loi de la famille instituée ne va plus uniquement primer, mais on va aussi vraiment s'intéresser aux libertés et aux droits des individus à l'intérieur de la famille. Et ça change pas mal de choses. J'ai lu pas mal de choses, de bouquins, donc j'en ai ramené quelques-uns, notamment sur tout ce qui s'est passé, notamment par rapport à la loi Veil, etc.
Et puis, donc, si vous voulez après regarder un petit peu les bouquins, etc. Et aussi, il y a vraiment des magazines super intéressants. Donc, moi, j'adore Cosette. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, j'ai lu des choses très intéressantes sur la loi Veil. Et puis là, il y a un article sur la PMA qui est vraiment chouette. Alors, dans les magazines, on trouve des choses intéressantes, plus ou moins. J'ai lu l'autre jour dans un magazine que quand on fait une rencontre amoureuse, il se passe des trucs chimiques. En fait, quand on rencontre quelqu'un, nos corps échangent des milliers d'informations sans qu'on s'en rende compte. Donc apparemment, notre cerveau reptilien se met en marche. Et donc, quand la femme rencontre un homme, donc la femelle rencontre le mâle, et ben elle cherche le meilleur reproducteur possible. Et le mâle, lui, cherche la meilleure poule. Et donc, si les profils génétiques sont compatibles, ben là, on va aller un petit peu plus loin. Donc, il paraît qu'on s'envoie des phéromones grâce aux aisselles, tétons, organes génitaux. L'amour, quoi. Donc, moi, quand j'ai rencontré mon copain, ben, j'y s'est passé tout ça. Sans que je m'en rende compte. Donc, quand j'ai rencontré mon copain, donc, il s'appelle Yves, j'avais 23 ans, lui, il en avait 34. Donc moi j'étais présentatrice d'émissions de télévision de proximité et lui il était ingénieur du son. Donc il est venu me poser mon micro. Donc du coup j'ai levé les bras. J'ai balancé des phéromones. Lui il a passé ses bras autour de moi, j'étais à hauteur de ses tétons. Il a dû me balancer pas mal de phéromones dans la gueule, parce que c'est moi qui l'ai rappelé. C'est moi qui lui ai fait durant 2 ans. Ah ouais. Donc voilà comment ça a commencé entre lui et moi. Alors c'est devenu assez vite sérieux. Voilà, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie de faire un bout de chemin ensemble. Et du coup assez rapidement, il m'a dit voilà, je vais être honnête avec toi, il faut que je te dise quelque chose. Je ne peux pas avoir d'enfant. On m'a dit que j'étais stérile il y a plusieurs années, donc je ne peux pas avoir d'enfant. Donc moi, je lui dis, bah, moi, je suis faite pour en avoir des enfants. Alors il me dit, bah, on va s'arrêter là. Bah non. Pas une seconde. À aucun moment, je me suis dit, c'est un mauvais géniteur, je vais balancer mes phéromones ailleurs. C'était lui avec qui j'avais envie de faire ma vie, d'avoir des enfants, de construire. Et moi, je me suis dit, alors peut-être je suis romantique, mais que l'amour, il serait plus fort que la biologie. Donc voilà comment ça a commencé entre lui et moi. Alors bon, ben, on a... Ce qui n'est pas mis tout de suite, hein, essayer d'avoir un enfant, on s'est construit notre petite vie de couple, puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un peu plus sérieux, et puis qu'on se dit bah, qu'il est temps d'essayer de faire des enfants. Alors, comment vous dire que je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Donc quand on décide d'avoir un enfant, on est en 2004. Et en 2004, c'est justement l'année de la révision de la loi sur la bioéthique. Alors, qu'est-ce que c'est, la loi sur la bioéthique? Alors, bio, c'est tout ce qui a un rapport à la nature, et éthique, c'est tout ce qui est bien pour l'homme. Donc, tout va bien. On nous veut du bien, encore une fois. Donc, la bioéthique, ça va, quoi. C'est pas un truc qui devrait faire flipper. Alors, dans les faits, la bioéthique, en fait, c'est toutes les questions délicates de société dont tout le monde se mêle. Tout le monde a un avis, mais personne ne veut prendre de décision. Donc, on va mettre en place des comités constitués de
personnalités médicales, donc des médecins, des sociologues, des psychologues, des personnalités politiques, ils vont réfléchir ensemble, ils vont analyser, faire des recommandations et construire la bioéthique. Alors, on va faire un petit quiz sur la bioéthique. Donc la bioéthique, en fait, c'est de la biopolitique, hein, comme tout à l'heure, on va définir ce qui est bien et normal pour la société et ce qui est mal et anormal. Donc je vais vous citer deux, trois trucs qui sont dans la loi française de bioéthique et vous allez me dire si c'est bien ou mal. Selon la loi de bioéthique française, hein, pas selon votre opinion personnelle, on s'en fout. Donc, l'euthanasie, c'est mal. C'est mal, l'euthanasie. Le don d'organes, c'est bien. Les recherches sur les embryons, c'est bien. La procréation médicalement assistée, c'est bien. Ça dépend. Pour qui? C'est complexe la procréation médicalement assistée parce qu'en fait il y a plein de différentes manières d'assister les gens pour avoir des enfants. Donc du coup il faut plein de gens, hein, faut plein de médecins, plein de sociologues, plein de psychologues, plein de personnalités politiques pour réfléchir vraiment à cette spécificité à l'intérieur de la loi bioéthique. Donc je vais vous donner quelques exemples. Si je vous dis par exemple FIV. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les mots de FIV ? Fécondation in vitro. Fécondation in vitro. Donc c'est quand on prend l'ovule de la mère, le sperme du père, qu'on le féconde dans le laboratoire et qu'on le remet dans le corps de la femme. Enfin, c'est ça une fécondation in vitro. Si je vous dis IAD, c'est insémination artificielle avec donneur. La GPA ? Gestation pour autrui. Voilà, donc c'est les mères porteuses en fait. Donc voilà, tout ça c'est mal, exactement. Donc tout ça, ça fait partie de la procréation médicalement assistée. Donc effectivement, il y a des choses qui sont acceptées par la loi bioéthique, comme l'insémination artificielle et la GPA qui est refusée. C'est mal. Donc voilà, donc justement, quand on décide de faire un enfant en 2004, c'est le moment où cette fameuse loi doit être révisée. J'avais pas mis, mais c'était en... Ah ouais, non, je mettrai après. Donc voilà, alors pourquoi je dis réviser? Parce qu'en fait, tout a commencé dans les années 70 avec la création du premier SECOS. Alors qu'est-ce que ça veut dire, SECOS? Ça veut dire, je sais même plus, SECOS c'est Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. C'est ça aussi, ça renvoie du rêve. Donc le premier SECOS s'est créé dans les années 70. Alors à l'époque, il n'y a pas de bio, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de loi. On fait ça comme ça. Donc il y en a plusieurs qui vont se mettre en place en France. Donc le but des SECOS, c'est vraiment d'accompagner des couples stériles à procréer, faire des enfants. Donc les médecins, même s'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas encore de bioéthique, ils vont se mettre d'accord, c'est des gens organisés. Donc ils vont tous appliquer les mêmes règles. Oui, on va accompagner les couples stériles, mais s'il y a don de sperme, ce sera par exemple anonyme. Voilà. Et donc voilà, ça se met en place comme ça, un petit peu sans loi. Jusqu'à ce que dans les années 80, Mitterrand mandate Badinter, qui est à l'époque ministre de la Justice, pour étudier tout ça et légiférer. Parce que c'est quand même un sujet sensible. Donc là, on va faire appel à nouveau à des médecins, des sociologues, des psychologues, des personnalités politiques, pour vraiment réfléchir, et c'est Badinter qui va mener ces réflexions. Alors à la fin, Badinter, qu'est-ce qu'il dit? Il prône l'abstention législative et recommande, au nom de la liberté des mœurs, un libre accès aux techniques procréatives. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut surtout pas légiférer. C'est ça la conclusion. Sauf que, après tout ça, ce qu'on va faire finalement, c'est tout l'inverse.
on va légiférer en France, et on va même mettre en place donc la fameuse loi dont je vous parlais, bon, quelques années plus tard, mais la loi la plus répressive, la plus rigide en matière de procréation médicalement assistée, la loi la plus rigide d'Europe en fait. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont montés au créneau. Alors, qui ça a inquiété, la procréation médicalement assistée, au moment de tous ces débats, etc. Bah, ça a inquiété des groupes sociaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui se sentent investis de la mission de protéger la famille, la traditionnelle famille française catholique, qui se font entendre à ce moment-là. Et aussi les médecins. Parce que les médecins, oui, ils ont mis tout ça en place comme ça, mais ils n'ont pas envie d'avoir ce pouvoir social-là. Ils n'ont pas envie de décider seuls. Ils réclament un cadre. Et ils vont l'obtenir avec cette loi de 94. Donc qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Elle dit que la procréation médicalement assistée sera réservée en France aux couples hétérosexuels. Vivant. Au cas où. En âge de procréer, alors il n'y a pas de fourchette, hein. Être pas trop vieux quand même, hein, parce que les femmes, bon bah voilà, machin, à partir de 40 ans, c'est plus remboursé par la sécurité sociale. Faut faire vite. Marié, ben oui, on reste dans le modèle traditionnel de la famille, faut être marié, ou attesté de 2 ans de vie commune, attesté devant le tribunal, attesté comme ça sur un bout de papier blanc. Les dons de gamètes, donc d'ovules et de sperme, seront gratuits et anonymes. On ne marchande pas pour faire des enfants. Et la GPA, la gestation pour autrui, donc la mère porteuse, sera interdite. Et bien sûr, bah, les célibataires, les homosexuels sont exclus de la procréation médicalement assistée. Donc là, on reste vraiment calqué sur le modèle de la famille traditionnelle. C'est ça, finalement, la loi de Bioéthique. On va reproduire le schéma classique. Donc pourtant, la société change. La société réclame, une partie de la société réclame des changements. On trouve vraiment que ça doit être rigide, il y a des gens qui se font entendre, etc. C'est pour ça qu'on quatre, au moment où nous, on décide de faire un enfant, la loi doit être révisée. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? On appelle des médecins, des sociologues, des psychologues, des personnalités politiques, on fait un comité et on réfléchit sur la loi. Et au final, qu'est-ce qu'on décide? Ben, on ne change rien. La loi ne bouge pas. Les modalités restent telles quelles. Donc, c'est à cette époque-là, en 2004, que pour la première fois, on va pousser la porte, il et moi, d'un sécos. Alors, le désir d'enfant, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un truc bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau, les hormones, le machin. C'est un truc, ça finit par t'obséder, quoi. Voilà. Donc moi, à ce moment-là, quand je vois une femme enceinte passer, putain, je la mate, je la regarde, j'ai envie de la suivre, là, je me dis, elle a de la chance. Puis alors, pour peu qu'elle allume une clope, ou qu'elle file une beigne à son gamin dans la bouche, c'est abinaire. J'ai envie d'aller lui écraser sa clope sur le front, dire, vas-y, mais c'est abusé, moi, je serais vachement une meilleure mère que toi, quoi. C'est dégueulasse. Et puis quand ta sœur ou ta meilleure amie, elle t'annonce qu'elle est enceinte, t'es super contente pour elle. Mais t'as une boule qui te monte dans la gorge quand même. Quoi. Parce que toi, t'en crèves de ne pas pouvoir être enceinte. Donc c'est une période qui est un petit peu compliquée. Et donc on va au sécos. Alors... là, ça commence par les examens, comme ça c'est classique. Donc les examens d'abord de monsieur. Donc il doit faire un spermogramme. Alors là c'est pareil, c'est toujours très glamour. Il doit aller dans une petite pièce où il n'y a rien au mur, blanc, un milieu hospitalier, voilà c'est comme ça.
Alors ils ont mis des magazines porno. C'est hyper excitant pour tous les hommes. Ils lui donnent un petit flacon et puis allez hop. Et moi j'attends dans le couloir parce qu'on fait tout à deux. On se dit allez on y va, c'est une aventure de couple. Donc moi j'attends dans le couloir. 10 minutes, 30 minutes. Il revient, je dis ça y est, il fait. J'y arrive pas. Il repart, il revient, il repart, il revient. L'infirmière dit bon, monsieur, alors j'ai demandé si je pouvais aller avec lui. Ils ont dit non, c'est mal. Il doit se débrouiller tout seul. Bon, il a réussi. Il a réussi. Alors je vais prendre mes notes parce que là je vais dire des mots compliqués. Donc en matière d'infertilité masculine, tout comme féminine, mais bon là je vais rester sur mon objet, l'infertilité masculine. Donc il y a plusieurs trucs. Hein. Donc il y a l'oligospermie. Alors c'est quoi l'oligospermie? C'est quand on a peu de spermatozoïdes. C'est un peu une zone rurale. En Suisse, il y a l'asténospermie. Alors ça c'est quoi? Il y en a des spermatozoïdes, par contre, ils foutent rien. Ils sont là, un peu dans le canapé, quoi, et puis ils regardent l'ovule, ils font. C'est il est loin. C'est pareil. Ensuite, il y a la tératospermie. Alors là, c'est un peu Elephant Man, quoi. Ils sont tous déformés. Voilà. Donc, il galère un peu pour aller. L'ovule, il ne veut pas trop. Après, il y a l'azospermie. Alors, l'azospermie, c'est plus. La zone rurale, c'est un peu le désert. Il n'y en a pas de spermatozoïdes. Alors là, on a encore une chance. Il y a l'azospermie excrétoire. Ça veut dire qu'on peut aller chercher les spermatozoïdes dans les couilles. Et après, il y a l'azospermie sécrétoire. Alors là, c'est mort. Alors, ce qui est bien quand on a des problèmes de stérilité dans le couple, c'est qu'on apprend plein de nouveaux mots. Puis on peut essayer de les recaser au Scrabble et tout ça. Ça fait sensation. Donc, le résultat tombe des examens. Donc, nous, on n'a pas de bol. On est dans la dernière catégorie. C'est mort. Donc, le médecin nous dit, il nous regarde droit dans les yeux, il dit, il n'y a aucune chance, aucun espoir. Donc là, moi, je me prends une claque. Yves, lui, il le savait, il avait fait une croix dessus depuis des années, mais moi, j'étais convaincue que la science avait fait des progrès, et puis qu'on allait bien réussir à trouver un spermatozoïde, quoi. Donc du coup, il faut que j'encaisse le coup, c'est franchement très difficile. Je rentre chez moi. Donc moi, je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Voilà. Mais là, vraiment, c'est la douche froide. Je rentre à la maison. Je me fous dans mon lit et je pleure toute la journée. Et je m'en veux parce que j'ai envie d'être forte pour lui. Je me dis que ça doit être hyper difficile. Et donc, du coup, je lui dis, laisse-moi une journée. Laisse-moi une journée, demain, ça ira. Ce qu'il a fait. Et puis, le lendemain, il est vraiment venu me rebooster. Il m'a dit, bon, on l'aura, le bébé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, il y a plein de choses qui te passent par la tête. Il y a l'adoption. Donc l'adoption, tu te dis, bah, c'est bien, c'est accepté par la société, puis c'est bien, il y a des enfants qui ont besoin de parents, tout ça, sur la planète, tout ça. Bon, en France, c'est un peu, il y a 10 ans d'attente, et puis bon, il faut être un peu dans le cadre aussi de la société. Hein. Nous, on n'est pas mariés, je suis intermittente du spectacle, on n'a pas un rond, lui, il fait des boulots à droite à gauche, tu te dis, voilà, ça va être complexe, quoi. Puis enquête sociale, machin, tout le bordel. Et surtout, pas un rond. Pour adopter à l'étranger, ça va être compliqué. Après, il y a effectivement le don de sperme, dont le médecin nous a parlé la veille. Là, je me dis que c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai un peu du mal à envisager le truc comme ça. Je me dis que c'est un peu bizarre. Et puis, Yves, il me dit, mais je me sens déjà responsable de ce qui nous arrive. J'ai pas envie de te priver d'une grossesse. Moi, je veux te voir enceinte.
Donc, je veux vraiment qu'on fasse avec d'honneur, quoi. Je veux que te voir enceinte. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle preuve d'amour aussi de me dire ça. Donc, nous voilà partis pour cette belle aventure de la procréation médicalement assistée, avec donneur de sperme. Alors là, il y a plusieurs choses qui se passent dans ta tête. Tu te dis, qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Parce que même s'il n'est pas là, mais il est quand même déjà là dans ta tête, quoi. Donc tu penses à quand il va se marier, quand il va être ado, quand il va être petit, comment on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit, on ne lui dit pas. Et puis on se dit, bah, si, on lui dira tout, parce qu'on a déjà à avoir honte de rien. Et puis on ne veut pas lui mentir. On est convaincus tous les deux qu'il faut vraiment dire la vérité. Alors puisqu'on part là-dessus, on se dit, bah, l'entourage, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on balance tout. On a à avoir honte de rien. Donc on dira tout à tout le monde, sans pudeur. Donc là, l'entourage, c'est rigolo. C'est très, très, très rigolo. Attendez, je réfléchis. Ah oui. Donc les repas de famille. Alors ça, j'adore, les repas de famille, quand t'es en période de procréation médicalement assistée, la cousine machin qui annonce qu'elle est enceinte, alors tout le monde est content, puis tante Paulette qui fait, bah et vous? Ah, et vous, c'est quand? Ah, alors? Là, tu dis, bah justement, en fait, on est stérile, donc du coup, on est en train de faire la procréation médicalement assistée, mais il y a un an et demi, voire deux ans d'attente, ce sera avec donneur. Ah non, je lui dis pas ça à Claudette d'abord. Et puis, elle me dit, alors là, ça casse l'ambiance dans le repas de famille, quoi. Donc, ça, c'est des moments un petit peu compliqués, mais puisqu'on a décidé de tout balancer, on balance tout. Donc, après, il y a les questions. Les regards. J'ai oublié les regards. Donc quand t'annonces ça, t'as les regards. C'est énervant. Et après, il y a les questions. C'est la faute à qui? Sous-entendu, qui est stérile? Ah oui. Alors ça m'énerve aussi parce qu'en fait, c'est nous qui sommes stériles. C'est notre couple. C'est pas lui qui est stérile, c'est nous ensemble. Voilà, c'est notre histoire, c'est notre aventure. Oui, on est stérile. N'empêche que je réponds. Oui, ben c'est Yves qui est stérile. Ah, donc oui, on va faire appel à un donneur. Voilà. Donc, ça c'est un tabou aussi dans la société, la stérilité. Alors, notamment masculine. En fait, la stérilité, ça existe depuis toujours. Donc dans l'Antiquité, quand un couple n'arrivait pas à enfanter, la faute retombait tout de suite sur la femme. La femme était sûrement stérile. Donc elle pouvait être mise en dehors de la société, répudiée. Et puis elle avait une vie un peu pourrie, en fait. Après, plus tard, ils se sont rendus compte que ça pouvait venir de l'homme. Et là, quand ça vient de l'homme, ben, en fait, tout de suite, c'est sa virilité qui est mise en question. Et sa capacité à... Je sais pas, nous qui vient, hein, on a une direction. Abondée. Ouais, voilà. Donc, du coup, même encore maintenant, en fait, dans l'inconscient collectif, quand tu annonces que ton mec, il est stérile, bah, il se demande si sexuellement ça marche. Donc, du coup, me voilà obligée de rassurer ma tante Paulette. Entre le fromage et le dessert. Je lui dis, oui, oui, tout fonctionne bien. Il bande. Ça recasse l'ambiance. Voilà. Il faut être clair. Donc, on le dit. Donc, une fois que tout le monde est informé de notre vie la plus intime, on commence les démarches. Et là, on a rendez-vous avec le médecin qui va nous suivre, on s'écoute, etc. Et là, j'ai la sensation très désagréable de devenir un numéro. J'ai l'impression d'être au Pôle emploi, sauf que c'est blanc. Et de devoir prendre mon ticket en arrivant. Alors, il n'y a pas d'accueil, hein. Bonjour madame, hein. Tu vas, tu t'inscris, tu t'assois, t'attends. Voilà. Tout le monde s'en fout au Sécos de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de tes doutes, de tes questionnements. Alors, tout est relatif, hein. C'est le Sécos dans lequel je suis allée. Peut-être qu'il y en a d'autres où ils sont super. En tout cas, nous, c'était l'enfer. Si bien qu'il y a une fois où je demande au médecin,
je lui demande, est-ce qu'on a des risques d'avoir des jumeaux? Et là, il me dit, des risques? Non, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez un enfant ou pas? Vous en voulez un enfant ou pas? Il dit, puis vous avez arrêté de fumer d'abord. Et il dit, il faudrait peut-être commencer par là, il faut être responsable. Hein, faudrait peut-être commencer par arrêter de fumer, Madame Backland. Hein. Donc là, j'ai envie de lui dire, ta gueule, quand même. Ferme ta gueule. Mais en même temps, c'est lui qui décide de quand il va m'appeler pour l'insémination. Vous voyez, je me tais, quoi. Enfin, il a le pouvoir sur moi, ce mec. Donc, du coup, à chaque fois que je vais le voir, je suis stressée. Il me fait flipper, quoi. Du coup, avant d'y aller, je fume pour me détendre. Et là, je me dis, merde, il va le sentir. Donc après, je vais aux toilettes, je me lave les mains, mon visage, je me mets un peu de parfum. Vous avez arrêté de fumer? Oui. Alors donc, après, il y a l'interrogatoire. Donc du coup, quand tu vas pour un don de sperme, on prend un papier, un stylo, un questionnaire, et il coche des cases. Combien vous mesurez, monsieur? D'accord. Les cheveux, la main, la main. Et on va choisir, enfin, ils vont choisir un donneur qui ressemble normalement, on pourrait trop vérifier vu que c'est anonyme, à ton mec. Voilà. Après, tu passes devant le psy. Donc, devant le psy, tu pourrais te dire, c'est cool, il y a un psy, on va pouvoir parler de nos doutes. Ben non, parce que tu te dis, si je dis une connerie, qu'il me trouve déséquilibré ou quoi, puis qu'il m'est inapte, ben du coup, tu poses pas trop de questions. Oui, ça va, oui, on est prêt. Vous avez des questions? Voilà, tu... Vous pouvez, si vous voulez, on peut reprendre rendez-vous. Merci, ça va aller. Donc voilà. Finalement, après un an et demi d'attente, le fameux médecin nous appelle, nous dit, bon, bah, ça y est, c'est votre tour. Donc là, on est super contents. J'arrête vraiment de fumer. Et puis donc, on commence, le traitement commence, en fait. Parce que quand tu décides d'avoir un enfant de cette manière-là, il faut que tu suives le protocole médical. Donc, tu as des piqûres d'hormones. J'ai des piqûres d'hormones à faire. J'ai beau avoir 25 ans, être en pleine santé, il faut quand même que je suive le protocole. Donc, tous les jours, je dois faire des piqûres. Si je ne les fais pas, je ne peux pas avoir accès à la procréation médicalement assistée. Donc, je suis obligée de rentrer dans ce processus. Enfin, je suis obligée. Si je veux un enfant. Donc, on fait les piqûres tous les jours, tous les matins. Je dois aller à 7h du matin à la maternité pour faire des échographies, pour vérifier l'évolution de mes follicules. Alors, les follicules, c'est ce qui va donner l'ovule plus tard. Donc, les follicules doivent avoir la bonne taille. Il ne doit pas y en avoir trop, parce que s'il y en a plus de 2, on ne fera pas l'insémination. Ils ne prendront pas le risque d'avoir des triplés, des quadruplés, etc. Donc, maintenant, c'est limité à 2 maximum. Donc moi, en fait, je fais les échos, ça se passe bien, au final, j'ai un beau follicule. Et donc, on me donne la dernière piqûre pour déclencher l'ovulation. Rendez-vous le lendemain au Sécos pour l'insémination. Alors là, t'as l'impression que c'est un peu un rêve, quoi. T'attends ça quand même depuis un moment. Donc, le lendemain matin, on va au Sécos, toujours tous les deux, puisqu'on fait tout à deux, puisque c'est notre aventure de couple. On arrive ému, main dans la main. Toujours pas de tapis rouge au Sécos. Toujours pas d'accueil, même pas un petit café, rien du tout. Donc la secrétaire, on arrive, on vient pour l'assimilation. Oui, bah, asseyez-vous dans le couloir, on va rechercher. On s'assoit, on attend longtemps, super longtemps. Finalement, il y a une nana en blouse blanche qui vient nous chercher. Je sais pas qui c'est, jamais vu. Elle nous installe dans une salle, bah, toujours pareil, hein, médicale. Avec un superbe fauteuil de gynéco. Donc je m'installe, glamour. Et puis on attend. On attend longtemps. Très longtemps. Je commence à me rendre compte qu'il n'est pas super magique ce moment. Que je ne suis pas très à l'aise. Alors Yves, il le voit, donc du coup il déconne un peu, il prend le spéculum. Il joue avec, il me demande à quoi ça sert, il prend tous les instruments sur le plateau. Arrête. Donc finalement, je lui demande de sortir. Je lui dis, écoute,
bien que j'avais vu les choses, t'as qu'à m'attendre dehors, c'est pas un super moment finalement. Donc il va m'attendre dans le couloir. Il y a une autre nana qui arrive en blouse blanche, une autre que j'ai encore jamais vue, avec la fameuse pipette, avec le précieux. Elle me dit, écartez les jambes, madame, détendez-vous. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit non, 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 non. Je m'appelle Marie, et vous, madame, vous êtes comment, vous êtes qui? Ah, j'ai un peu déstabilisé, je pense qu'on lui avait jamais fait. Elle s'est présentée, elle m'a dit son prénom, expliqué son métier. Elle retire la pipette, elle me dit bon, bah, vous attendez quelques instants, puis vous pouvez partir. Elle s'en va, elle claque la porte. Et là, je me dis putain, c'est combien de temps, quelques instants? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. C'est la vie de mon futur bébé qui joue là, à quelques minutes près. Quoi. Du coup, je suis mal, là, je sais pas. Moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Une petite écartée. Je sais pas combien de temps je suis restée. Longtemps. Très longtemps. Je me rhabille. Je rejoins Yves dans le couloir. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je cherche une blouse blanche. Il n'y en a plus dans le couloir. On va à l'accueil. Nanana, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Faut revoir un médecin. Il y a des trucs à faire. Faut signer quelque chose. Non, c'est bon, bonne journée. Ok. Alors franchement, on a eu beaucoup de chance. Hein, parce que moi, le séco, j'en pouvais plus. Ça me sortait par les yeux. Parce que ça a marché du premier coup. Donc j'ai su que j'étais enceinte d'une semaine. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent se vanter de ça quand même. Je dis, oh, j'ai mes copines, là, je suis enceinte. Ah ouais, combien? Une semaine. Puis il y a toujours la bonne copine qui est infirmière qui dit, ouais, ton bel plan, une semaine. Ça va peut-être pas marcher. Hein. Bon, enfin bref, ça a tenu. Ça a tenu, ça a marché. Et finalement, moi je trouve que c'était vraiment une chance d'avoir une stérilité totale. Parce qu'il y a des tas de couples qui galèrent, mais bien plus que nous. Quoi. Il y a des couples qui vont essayer les FIV, fécondation in vitro, donc avec le sperme de l'homme, et puis ils vont essayer une fois. Comme il y a eu des traitements hormonaux, ben, si ça ne marche pas, il faut laisser le corps se reposer 3-4 mois. Après, on fait une nouvelle tentative. Ça marche pas. On fait une autre tentative. Donc ça, c'est 3 fois. Une fois que ça fonctionne pas, bah, ils vont passer peut-être au donneur. Et là, il faut réattendre, réessayer, etc. Donc finalement, cette stérilité totale, franchement, ça nous a fait gagner un temps fou. Et ça a évité pas mal de stress, de douleurs, etc. que des couples peuvent vivre. Les femmes qui sont stériles donc, attendent 5 ans minimum. Parce qu'en fait, il y a très peu de dons en France. On n'a pas le droit de faire de la pub parce que c'est pas une marchandise. Donc du coup, les gens qui donnent, donc les femmes qui donnent leurs ovules ou les hommes qui donnent leur sperme, déjà ils doivent être mariés, ils doivent déjà avoir eu des enfants, et puis il faut qu'ils soient informés, quoi. Et puis pourquoi tu donnes? Tu donnes parce que tu es concerné, parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est stérile, qui t'a expliqué, et donc tu vas y aller spontanément. Donc la publicité est interdite, la communication, le sécos, bon, voilà, c'est assez limité. Par contre, ils ont le droit de faire du chantage. Alors je m'explique. Si tu veux un deuxième enfant, donc déjà tu attends plus longtemps, et plus long, parce que tu as déjà été servi. Si vraiment tu veux ton deuxième enfant, ça peut, donc normalement c'est 2 ans d'attente, mais tu peux raccourcir à 6 mois. Si tu ramènes un donneur ou une donneuse, pour quelqu'un d'autre. Du parrainage. C'est ça. Alors, pour peu que tu sois noir, asiatique, d'origine arabe, ça rallonge. Parce qu'il y a encore moins de donneurs. Donc voilà. Donc, est-ce que moi, après, une fois que j'étais enceinte, j'ai eu une grossesse différente des autres parce que j'avais eu un bébé avec insémination, avec donneur? Franchement, je vais vous dire, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en ai eu qu'une. Est-ce que je me suis posé plus de questions que les autres parce que mon bébé va être différent, je sais pas à quoi il va ressembler, je sais pas. Je sais pas, je sais pas ce que c'est que d'avoir une autre grossesse. Ce que je sais, c'est que quand le bébé il est là, tu ne poses plus du tout de questions. Les couches, les biberons, machin.
pense que du coup, tu deviens un petit peu... voilà, un peu tout. Donc du coup, je vais accrocher une photo de ma famille. Donc c'est mon fils, Elliot. Il s'appelle Elliot. Et donc on a une famille, vous voyez, plutôt, on parlait plutôt une famille normale, entre guillemets. Il y a le papa, la maman, l'enfant. Et ça se voit pas qu'on a une famille différente, qu'on a une famille PMA. Donc on est classé, nous, dans les nouvelles familles, les familles PMA, procréation médicalement assistée. Donc ça dérange personne parce que finalement, ça se voit pas. Ça se voit pas qu'on a fait appel à un tiers pour avoir notre enfant. On s'est bâti différemment. Et la loi, la fameuse loi bioéthique, elle nous autorise à avoir cet enfant de cette manière-là, parce que ça ne se voit pas. Et je me suis rendu compte de ça, enfin j'ai vraiment pris conscience de ça, en 2013, au moment du mariage pour tous, ou plutôt de la manif pour tous. Moi c'est ça que j'en retiens. Ça m'a mis en colère à ce moment-là. Alors pas tout de suite. Donc en 2013, l'État, Taubira, engage un combat pour le mariage pour tous. Très vite, ça anime un petit peu la société, les débats sont vifs, et finalement ça va vraiment au-delà du mariage. Parce que finalement, ça va se centrer rapidement sur les questions des enfants et de l'enfantement. Parce que finalement, permettre à des couples homosexuels de se marier, de devenir une famille, ben c'est aussi leur permettre d'avoir des enfants. C'est logique et c'est légitime. Donc, ce n'était pas complètement stupide de leur part de mettre la question sur le tapis, puisque c'est effectivement légitime. Donc voilà, alors je vais vous expliquer qui sont ces gens. Parce que du coup, je m'y suis intéressée. Ah oui, alors j'oubliais de vous dire. Donc, des familles différentes, il y en a, hein. Il y en a en France déjà en 2013. Il y a la nôtre, bien sûr, qui est invisible. Et puis, il y a aussi donc les familles qui sortent un petit peu du cas traditionnel, catholique, etc. Il y a les couples qui sont non mariés, non paxés, qui ont des enfants. Mais ils ont droit à un livret de famille, puisqu'ils ont des enfants. Donc, c'est une famille. C'est reconnu. Alors, c'est accepté par les plus traditionnels depuis pas super longtemps, mais en tout cas, voilà, on a le droit d'avoir un livret de famille. Ensuite, il y a les divorcés. Donc, même si tu es divorcé, bah, tu restes une famille. Il y a le père, la mère, les enfants, les familles recomposées. Donc ça, c'est pareil. C'est, voilà, c'est trois formes de famille qui sont finalement assez bien acceptées par la société, dans son ensemble. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tiers dans l'affaire. Quand ça coince, quand ça grince, c'est quand il y a une tierce personne qui va venir jouer un rôle dans l'enfantement. C'est pour ça qu'au moment de la loi bioéthique, on a vraiment questionné la procréation médicalement assistée. On s'est dit, oh là là, ça va être un peu compliqué. Alors il y a eu un débat autour du premier bébé éprouvette. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, le premier bébé éprouvette. Elle s'appelait Amandine. On lui fait un petit dessin. Donc en fait, le bébé éprouvette, c'est ni plus ni moins qu'une FIV. Donc, on prend l'ovule de la mère, on prend le sperme du père, on met tout ça en labo, on réinjecte dans le corps de la femme, et puis voilà, c'est ça le premier bébé éprouvette. Tout simplement, c'est une FIV. Donc à ce moment-là, ça fait un peu de bruit, mais bon, rapidement, on se dit, oh, c'est super, on va pouvoir aider les couples. Donc, il n'y a pas plus de débat que ça à ce moment-là. On se dit que c'est plutôt une prouesse médicale, qui est plutôt chouette. À partir du moment où il y a un donneur ou une donneuse, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il y a une tierce personne qui va intervenir. Donc je vais mettre D comme donneur ou donneuse. Et là, alors là, lever de bouclier, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas traditionnel. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait, la loi de bioéthique? Elle décide en fait de rendre la chose, encore une fois, invisible. C'est pour ça que le don est anonyme. Il faut qu'on puisse le nier, le donneur. Il faut qu'on puisse l'oublier. Il faut que ce soit discret. À l'époque, on conseille même aux parents de ne pas le dire. Ne le dites pas à l'enfant, surtout pas, il va être traumatisé.
Donc du coup, il faut protéger l'ordre social établi. Une famille, c'est un père, une mère, un géniteur, une génitrice, point barre. Donc on accepte le don à condition qu'il soit discret. Voilà. Et puis ce qui est important pour ces groupes sociaux qui protègent société, les valeurs qui la fondent, ben, c'est aussi de pouvoir protéger la filiation. Donc c'est ça aussi qui les inquiète. La filiation, finalement, c'est ce qui va instituer le rapport entre le parent et l'enfant. C'est ce qui détermine la généalogie et aussi la transmission des biens. Donc une fois qu'on a rayé le donneur de la carte juridique, ça les dérange plus. Du moment que ça ne se voit pas, ça passe. Donc au moment du mariage pour tous, c'est pas possible. Ça va se voir. Imagine. Un couple de femmes qui va avoir un bébé par insémination, on ne peut plus faire semblant qu'il n'y a pas de donneur. Ça ne marche pas. D'accord. Deux couples d'hommes, alors là, n'en parlons pas. Il faut forcément une mère porteuse. La mère porteuse, elle ne peut pas être anonyme. Et ça se voit quand même. Donc du coup, c'est vraiment ça qui inquiète un rôle. Les fondements de la famille, profondément, la famille traditionnelle, le père, la mère, l'enfant, c'est ça qui protège. Et ils disent qu'en fait, ah oui, alors là, il y a la théorie du grand méchant genre hein, qui réapparaît. Hein. Si on autorise des couples homosexuels à avoir des enfants, on gommerait, selon les manifestants, le féminin et le masculin. Et on mentirait aux enfants sur leur origine. C'est ça l'argument principal. La vérité, enfin, il me semble que expliquer aux enfants de couples homosexuels qui a eu un donneur et leur expliquer comment ils ont été conçus, c'est pas vraiment leur mentir. C'est sûr que on peut pas leur dire ben si ton papa, Patrice, c'est une femme. Ben non, ça marche pas. Il suffit juste d'expliquer la vérité. Bon, bref. Donc, qui sont ces gens qui manifestent? Alors, il y a les membres de l'Église catholique très traditionnelle. Alors, je dis ça parce que tous les catholiques ne sont pas descendus dans la rue. Hein. C'est les très, très, très traditionnels. Ils sont légitimes d'être là. Parce que c'est eux qui ont protégé aussi le modèle, la famille, qui l'ont construit. J'en ai plus besoin. Donc voilà. Ensuite, il y a les intellectuels conservateurs. Ensuite, il y a les psychanalystes et pédopsychiatres conservateurs qui vont nous expliquer, en fait, que le père procréateur et la mère nourricière sont indispensables pour l'équilibre de l'enfant. Donc c'est ce qu'ils défendent. Et enfin, les associations et mouvements extrémistes. Donc il y a par exemple l'égalité et réconciliation, ou Civitas. Donc Civitas, je les classe dans intégristes, pas dans catholiques. C'est quand même une branche hyper extrémiste des catholiques, royalistes, tout ça. Enfin, un truc simple, tout ça. Donc, du coup, tous ces gens-là, qui sont assez différents finalement, eh ben, ils vont s'entendre, ils vont s'unir. Alors chacun sa cause, en plus, c'est pas les mêmes raisons. Hein. Il y a les traditions, la famille, les homophobes, ils n'ont pas tous les mêmes raisons d'être là, mais ils s'organisent. Ah ouais. C'est magique. C'est ça. Donc voilà. Ah oui. Alors à cette époque-là, on a beaucoup parlé de Taubira. C'est vrai qu'elle était visible, elle était sur le front, on l'entendait, tout ça. Et elle était ministre de la Justice, mais il y avait aussi une ministre de la Famille dont on a un petit peu moins entendu parler. Qui s'appelle, d'ailleurs je ne sais plus son nom, Bertinotti. Donc Bertinotti, au moment des manifs, du débat et tout, elle s'est dit bon, on va lancer une étude, une enquête, donc elle appelle des sociologues.
Et donc, il y a Irène Théry, donc, et, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question, qui va mener une enquête sociologique sur, ça s'appelle comment, le titre du truc, origine, filiation, parentalité, voilà, pour venir nourrir le débat. Donc ils travaillent, ils réfléchissent, ils concluent, tout ça, et elle entend, la ministre, elle entend dire que le fameux comité conclurait qu'il faudra autoriser la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Alors là, elle appelle, Irène Théry, elle l'appelle. Elle lui dit, ouais, j'ai entendu parler, Irène Théry, c'est pas possible hein, de mettre ça dans le rapport, il va falloir la faire sort, vous avez vu les gens dans la rue hein. Alors elle lui dit, écoutez, le rapport a été commandité, nous on l'a rédigé, on va pas le changer parce que ça vous dérange, madame la ministre. Et du coup, elle dit, mais vous comprenez bien que si vous sortez ce rapport, ça va être associé à mon nom. Et moi, ça, c'est pas possible. Donc du coup, elle va tout faire pour retarder la sortie de ce rapport. Finalement, il sortira jamais. C'est Irène Théry qui va le rendre public à l'université. Mais voilà, ce sera jamais officialisé par la ministre, par l'État, etc. Ça reste assez confidentiel. Donc moi, au moment des manifs pour tous, au début, je me suis dit, c'est pas mon combat. C'est pas mon combat, je vais pas commencer à aller défiler, à aller me battre pour ça. Voilà, j'ai d'autres combats, c'est pas mon histoire. Puis ces gens-là, j'ai pas envie de leur porter du crédit non plus, en écoutant ce qu'ils ont à dire. Voilà, je me suis dit, il ne faut pas s'en occuper. Donc, je ne me suis pas vraiment battue pour ça. Et puis, un jour, c'était dans ma voiture. C'était à la fin du mouvement. Il y avait un reportage sur France Inter sur l'intérieur de la manif. Et puis, j'ai entendu vraiment là les discours qui étaient portés. Et je me suis dit, mais ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont tellement haineux? Pourquoi ils veulent protéger quoi? Leur filiation, leur patrimoine, les traditions, la famille, en quoi ça les dérange? Ce qui en mettait en cause, c'est pas seulement le mariage pour tous, c'est pas seulement les couples homosexuels, c'est aussi ma famille. Du coup, j'ai réalisé ça et je me suis dit, c'est aussi mon combat. Il faut arrêter de se faire dicter, on va dire, nos comportements, nos manières d'agir, de faire, par des lois, et puis arrêter de laisser les spécialistes aussi décider, toujours, pour nous, sans qu'on y participe à ce débat-là. Parce que eux, ils y ont participé. Mmh. Eux, ils ont fait pression sur l'appareil d'État. Et on les a laissés faire. Donc le débat, il n'est pas terminé, parce que même si on a été jusqu'au bout du mariage pour tous, on n'a toujours pas autorisé la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Donc il va ressurgir le débat. Et c'est pas uniquement les couples homosexuels, c'est est-ce qu'on peut autoriser d'autres formes de famille, est-ce qu'on peut avancer. Donc je pense que c'est mon combat et que c'est aussi le nôtre en fait, parce que ça nous concerne tous. Donc ce qui serait bien, c'est que les couples hétéros, la prochaine fois, ils participent aussi au débat aux côtés des couples homosexuels, que les athées participent au débat aux côtés des catholiques qui sont tolérants parce qu'il y en a. Et puis qu'on essaye aussi, nous aussi, de faire entendre notre voix, voilà, dans le prochain débat. Donc, j'ai fini.